Yo les potes, on se retrouve pour la dernière vidéo. Donc si vous êtes assez logique, on a fait la première vidéo sur tous les skins qu'on a regardé vite fait. La deuxième partie, c'était sur les skins dans les menus. La troisième, c'était les skins Ultime Effort. Donc assez logiquement, il manque quoi? Il manque tous les trucs, outils de collecte, etc., etc., planeur, danse. Donc c'est parti. Alors, premièrement, la musique. Voilà, si vous voulez l'écouter. Vous regardez sur YouTube ou je sais pas. Sur ma première vidéo, je l'ai fait écouter un petit peu. Ensuite, là, c'est tout ce qu'il y aura, mais on regardera plus tard. Ensuite, on va continuer avec les sacs. Alors, le Radiant Mantle, donc avec plusieurs styles, un style brillant et non brillant. Donc, ce sac, ça sera le sac à 2000 V-Bucks du Grand Squelette. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir les skins. Ensuite, là, c'est un sac avec Shuriken et double épée. Donc, magnifique. Ensuite, celui-là avec des petits katanas, non, des kunata, un truc comme ça. Donc voilà, vous connaissez dans les Tortues Ninja. Ensuite là, un bouclier de tortue magnifique. Ça, c'est super original. J'espère qu'il a presque la même forme que les boucliers qu'on connaît. Ensuite, ici, le sac Splatoon. Donc voilà, enceinte. Là, le petit ballon. Je sais pas trop ce que c'est. Un petit sac à dos, un requin temps qui a marqué. Là, c'est une lanterne pour le nouvel an chinois. Ensuite, ça doit être un style pour un maître sushi. Ok. L'épée, magnifique. Une épée dans une sorte de carquois tigre. Donc, c'est pour le skin tigre. Ensuite, là, c'est pour la motarde. Voilà. Dragon. Très beau. Un petit sac classique et un deuxième classique. Ça, ils seront sûrement payants à 200 V-Bucks dans la boutique. Donc, voilà pour les sacs. Ensuite, là, c'est les skins. J'ai fait une vidéo. Pareil, pareil. Alors, les planeurs. Oh là là. Le planeur à 2000 V-Bucks, enfin 1500 V-Bucks, pardon, mais légendaire. Du skin légendaire. Oh là là. Il est pas mal, il est pas mal. Et le deuxième planeur, du skin Splatoon, je pense. Ok. Sûrement, il y aura des défis, sûrement, je pense. On continue avec la pioche du requin classique. J'espère qu'elle est à 500 V-Bucks. Ensuite, la pioche qu'on avait vue des skins. Et donc, elle a trois styles également, en arctique et en jungle. Ok, une double pioche. Ensuite, la pioche, pour tous ceux qui l'avaient déjà, qui vont l'acheter, a un deuxième style en noir magnifique. Je vais jouer direct avec. Ensuite, encore une roulette, sauf que chinoise cette fois. Ok, pas mal. Ensuite, les skins, on a déjà vu. Alors, une double pioche, épée de la mort, enfer, dragon, clairement. Ça doit être la pioche du tigre. Ok. Oh, ça me fait penser à dans Kung Fu Panda. Avec Shifu. Son palais, il était dans cette matière. Ok. Sympa. Et la pioche. Ouais, elle me fait trop rire. C'est des escargots sangsues corail. Donc, qui ira avec le skin corail. Ok. Ça, vous irez regarder vous-même. Je vous montre vite fait ça, parce que je ne l'ai pas montré. Donc, le petit skin qui aura aussi une custom comme sa pioche. Ensuite, la pioche défi ultime effort sera en doré comme ça. Ça, c'est la pioche du skin vert, il me semble. Ok, 500 V-Bucks. Et ça, la pioche de la motarde. Elle va être sûrement à 800 V-Bucks. Alors, les défis ici, c'est pour ce skin avec un skateboard à débloquer. Les emotes, n'hésitez pas à aller voir sur la première vidéo. Hop. Oh, celle-là, elle a l'air sympa. Et celle-là, ok. Les camouflages. Alors, sympa, ok. Moi j'aime bien parce que j'aime bien le vert. Là, trop classique. Là, classique aussi avec le requin. Et ça sera avec... Merde, punaise, pardon, excusez-moi des gros mots. Avec l'autre skin. Alors là, du coup, on voit toutes les pioches complètes. Alors, celle qu'on n'a pas vue, c'est les trois là. Donc, celle-là ira avec le skin à 2000 V-Bucks. Elle est sympa. En vrai, j'aime bien. Celle-là, elle va être... Ouais, elle est chère. Enseigne néon. Ok. Ensuite, là, la vague scélérate et la bariolée. Ok. Là, j'ai fait une vidéo. Hop. Le buisson qui va revenir. Tous les camouflages. Donc, celui du skin à 2000 V-Bucks. Ok, bon. Super. Alors, la pioche. Ok, on la voit mieux ici. Sympa. Ensuite, la petite emote. Best mate. Je sais pas ce qui change. Peut-être
peut-être qu'on peut avancer avec maintenant? On ne pouvait pas avant. Si c'est ça, bah c'est sympa, mais ça change pas énormément. Je crois que c'est ça. Le skin, du coup, qui a une custom. Voilà, comme la pioche. Et je crois que c'est tout. Là, la nouvelle arme, le trailer est sur ma chaîne. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao!